Bonjour les types 2.0 et bienvenue pour un tout nouvel épisode de ma survie en 1.17. Alors, comme vous le voyez à ce que je viens de montrer, eh bien, j'ai tout simplement découvert un lieu de villégiature qui va être exceptionnel parce qu'en effet, eh bien écoutez, j'ai découvert deux villages qui sont côte à côte. Par contre, la pluie quand je parle, le minimum, c'est de t'arrêter et de dire aux abonnés de mettre un petit pouce bleu et pour les noms d'abonnés, de s'abonner. Voilà, tout simplement. Bref, pour bien commencer cette vidéo, écoutez, on va tuer un cochon parce qu'écoutez, c'est la sainte tradition. En fait, vous savez quoi, il n'y a jamais eu de tradition de tuer un cochon sur cette survie. Mais écoutez, une tradition, ça commence bien quelque part. Pour ma part, je vais m'explorer rapidement ce petit village parce que si jamais je pouvais trouver quelques petites pommes pour tout simplement avoir des pommes dorées, eh bien écoutez, je dis pas non. Et regardez, si ça c'est pas beau, on a déjà 2-3 trucs pour commencer l'agriculture par ici. Oh que oui mon ami, ça c'est très très beau. Oh là 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 là, mais regardez ça, est-ce que ça c'est pas quand même magnifique? Regardez le nombre de pommes qu'on a trouvé. On a trouvé 7 pommes. Oh la vache, ça fait eh bien tout simplement 7 pommes dorées. Enfin du moins pas maintenant, il faut les imaginer. Et on a aussi également énormément de fouing. Et le fouing qui sert à faire du ping bien évidemment. Et du coup tout ce qui sert à bouffer, eh bien écoutez, vous connaissez votre Johnny, j'aime bien manger. Donc du coup on récupère tout le foin pour faire du pain. Bref, alors on ouvre ici. On a encore plus de pommes, on a encore plus de pain. Et j'ai envie de vous dire, eh bien pour le moment je vais m'établir eh bien rapidement ici pour pouvoir tout simplement construire eh bien une petite base volante entre les deux villages. A few moments later. J'ai passé la nuit et normalement dans Minecraft quand vous passez la nuit, eh bien la pluie se met à arrêter de pleuvoir. Et ça c'est une très bonne chose. Pour commencer une bonne survie Minecraft, eh bien il va tout simplement falloir eh bien bûcher un petit peu à droite à gauche, déglinguer la nature, faire rager les écolos. Parce qu'aujourd'hui on va casser de l'arbre. Oh oui, ça c'est tonton Johnny qui va vous le dire. Parce qu'il va falloir tout simplement pour construire eh bien cette scintille, eh bien déjà petit 1, faire des réserves de nourriture monstrueuses. Et petit 2, il va falloir eh bien tout simplement aller miner. Et ça les écolos ils détestent quand on mine parce que c'est de la pollution. Mais écoutez, on parlera écologie sur cette survie un petit peu plus tard, bien évidemment. Ou bien pas du tout, ça j'en sais rien. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Oh, toi t'es un escroc. Toi t'es un escroc, toi. Oh, s'il y avait pas de villageois autour qui me regardait, je t'aurais coupé en deux, frère. Bien sûr que oui. Comment oses-tu rentrer chez moi, toi? Y a personne qui regarde, cette fois-ci je te bute. C'est chez moi ici. Idiot, va, bien sûr. Bref, je disais donc, on va ranger un petit peu notre stuff ici. Bon, pour le moment, pas trop de rangement. Mais écoutez, là présentement, on a besoin de bois. On a besoin de bois, pourquoi? Eh bien déjà, petit 1, avec ce bois, on va faire tout simplement, eh bien une houe. Voilà, comme ça au moins elle est faite. Et celle-là, on peut la dégager. Elle servira plus jamais à rien. Deuxième item dont on va avoir énormément besoin, eh bien c'est une pelle en diamant, bien évidemment. Voilà. A few moments later. De mon côté, eh bien on est plutôt bon. J'ai de quoi creuser, j'ai de quoi bûcher. Et je vais avoir, eh bien tout simplement, besoin d'un peu de bois pour attirer les vaches lattes à l'intérieur d'un enclos. Parce que maintenant, on va commencer, eh bien l'agriculture. Et ensuite, on va partir à miner. Tout simplement pour pouvoir commencer, eh bien, la base 2.0, mesdames et messieurs. Et on va surtout, eh bien, tenter sur cet épisode également, eh bien, de voir un petit peu et de vous montrer toutes les mises à jour de cette 1.17. Et autant vous dire qu'il y en a quand même pas mal des mises à jour 1.17. Du coup, je pense qu'on va se faire une petite longue vue, parce que oui, ils ont ajouté une longue vue sur Minecraft. Et on va tenter, eh bien, du coup, pour ça, de trouver, eh bien, un filon d'améthyste, parce que sans améthyste, t'as pas de longue vue. Donc écoutez, déjà de base, moi, je suis parti pour faire un petit peu d'agriculture. Hop, 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 la catastrophe. Le Johnny, il a failli se tromper, il est rouillé sur Minecraft. Ça fait combien de temps qu'il a pas fait d'agriculture sur Minecraft? Beaucoup trop de temps, hein. Beaucoup trop de temps, j'ai bien l'impression. Allez, bref, 45 normalement, eh bien écoutez, on peut faire un 10x10. Et oui, Jamy, le Johnny s'est compté. Du coup, on en a posé 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on peut retourner au CP, on serait les premiers de la classe. Et surprise, mesdames et messieurs, l'enclos est fait. Et oui, Jamy, ça, ça fait plaisir. Alors, de mon côté, je vais avoir besoin de petits moutons pour vous montrer un petit glitch plutôt sympa sur Minecraft. Les anciens, vous les connaissez. Et tout simplement, les nouveaux sur Minecraft, eh bien, vous connaissez peut-être pas. Eh bien, ça consiste tout simplement à prendre des petites carpettes et à les mettre, ma foi, par exemple, ici.
et ça vous permet de rentrer tout simplement à l'intérieur d'un enclos sans avoir à ouvrir. Parce que, oui, surprise, vous ne pouvez pas sauter au-dessus d'une barrière, ce qui est un petit peu bête, mais écoutez, c'est comme ça. Par contre, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai totalement oublié de prendre du foin sur moi pour pouvoir ramener moutons et vaches à la maison. Donc écoutez, on est parti, voilà, nickel. J'ai de quoi ramener, eh bien, tout simplement, les vachelettes. Et regardez ce qu'on a ici, regardez ça. Est-ce que c'est pas les plus beaux chevaux du monde? Bien sûr, venez, venez ici. Oh là là, on a déjà des chevaux en début d'aventure et en plus juste ici. Toi, t'es nul, ok, donc ça c'est dit. Et toi, t'es plutôt pas mal. Allez, fais des petits cœurs, dépêche-toi. Fais des cœurs, idiot, va. Tu arrêtes, tu fais des cœurs, je t'ai dit. J'ai dit, fais des cœurs. Dépêche-toi. Eh ben voilà, voilà, il suffisait de lui demander gentiment pour qu'il fasse des petits cœurs. Voilà, c'est fait. Allez, hop, on va le ranger dans l'enclos. Et je me demande si les chevaux peuvent emprunter les carpettes. Non, ils ne peuvent pas emprunter les carpettes. Écoutez, c'est quelque chose que je voulais savoir et maintenant je le sais. Voilà, bref, on a déjà un cheval à la maison. Et maintenant, on va ramener, eh bien tout simplement, les vachelettes et les moutes-moutes à la maison. Et toi, tu sors pas d'ici, sinon je te coupe en deux. Allez, Titi, Jacqueline, viens. Viens, Jacqueline, viens, Titi, viens. Viens ici, Jacotte. Titi. C'est une blague, je te coupe. Non, je rigole, toi, je vais pas te couper, toi, t'es ma préférée. Allez, viens. Voilà, viens à la maison, viens. Voilà. Voilà, première vache à la maison. Bon, si j'étais pas légèrement psychopathe sur les bords, on en aurait deux. Mais écoutez, ça c'est un détail. 3 hours later. Allez, venez ici les jacottes, faites des bébés. Bien évidemment, les premiers bébés de cette aventure. Si ça c'est pas beau. Je sais pas ce qui est beau. Non. Allez, grandis-toi ici. Voilà, nickel. Écoutez, est-ce qu'on a réellement besoin de moutons et de vaches supplémentaires? J'ai envie de dire, pas du tout. La seule chose dont on va avoir besoin, c'est tout simplement une source d'eau infinie. Voilà, et d'une deuxième source d'eau. Est-ce qu'on en a une? Oui, oh là là, on a plus qu'une source d'eau infinie. Oh, regarde ce qu'on a ici, on a carrément le lac à côté. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Maintenant, il est temps de désherber et tout simplement de prier pour avoir, eh bien, tout simplement, les 5 graines de blé pour pouvoir reproduire les vachelettes ici et avoir de la bouffe à l'infini. 6 graines, c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas le Pérou, comme diraient les anciens, mais c'est quand même pas mal du tout. Voilà, tout simplement. Rome ne s'est pas construite en un jour, et puis, le Johnny non plus. Bref, est-ce qu'il serait pas totalement temps de partir creuser pour pouvoir construire notre Skybase? J'ai envie de dire, si, il est temps. Donc là, maintenant, on va partir à la partie intéressante. On va, après, chacun une partie intéressante. Moi, la partie que je préfère sur Minecraft, c'est tout simplement miner. Moi, je sais pas ce que vous kiffez. D'ailleurs, eh, ça, c'est un bon sondage, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous kiffez sur Minecraft? Qu'est-ce que vous aimez faire dans Minecraft? Moi, c'est miner. Il y en a qui kiffent build. Dites-moi un petit peu en commentaire. J'aimerais bien un petit peu savoir ce que vous kiffez sur Minecraft. Pour ma part, on est parti un tout petit peu miner. Il faudrait que je me fasse une nouvelle pioche parce que miner avec ma fortune 3... Aïe, 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 ça me fait mal, ça me fait très très mal dans le cœur, Jamy. Et non, je ne fais pas un infarctus, non, ça me fait juste mal au cœur parce que je sais qu'une fortune 3, j'en aurai pas de sitôt si jamais je la break. Bref, on va quand même faire attention à la petite épée. Allez, on est parti. D'ailleurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui, eh bien, je répondrai à tous mes commentaires sous cette vidéo. Donc écoutez, faites-vous plaisir. Moi, je vais tenter, eh bien, de trouver un petit mineshaft ou bien tout simplement un filon d'améthyste. 1 eternity later. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, j'ai toujours pas trouvé l'améthyste parce que c'est quand même bien rare. Mais j'ai encore découvert, eh bien, du cuivre et ça fait plaisir. Et en plus, on est dans une cavité couche diamant. Donc est-ce que c'est pas totalement l'heure de faire de la pâte? J'ai envie de dire si. Ki. Petit diamant, viens voir ici, malade que tu es, va. Oh là là, ce stock de fer et de la pille. Oh, je vais le récolter, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vous laisse et je vous récupère dans un instant. Par contre, je vous le donne en 1000 là. Qui c'est l'idiot qui a oublié son seau d'eau? Bah c'est moi, bien sûr, sinon c'est pas drôle, bien évidemment. Si Johnny prévoyait tout d'un seul coup, je serais bien, mais... Force est de constater que le Johnny, il oublie toujours quelque chose. On m'appelle un petit peu cerval de moineau dans le domaine. Mais bon, écoutez, c'est pas bien grave. On va jeter un petit coup d'œil par là pour voir s'il y a du diamant. Apparemment, non. Donc écoutez, c'est une cavité useless. Une cavité très décevante. Voilà, toi, tu en payes le prix. C'était trop décevant. Il fallait punir quelqu'un. Oh là, oh là, oh là 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 là. Ouais. Là, on veut bien descendre. Par contre, on a des risques de cramage de zigouigui vraiment très élevés par là. Ouais, ça, c'est plus que certain. Donc, écoutez, on va descendre de manière très, très safe. Voilà, on fait le Saint-Escalier. Voilà, ça, c'est du Saint-Escalier. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Oh là!
J'allais commencer à me plaindre. Mais par contre, on vient de tomber sur un mineshaft. Et qui dit mineshaft, eh bien dit de grandes probabilités de trouver de l'améthyste. Enfin, du moins normalement. Parce que normalement, dans les mineshafts, on a plus de chances théoriques de trouver du diamant. Donc ça doit être pareil au niveau de l'améthyste. Enfin, du moins, j'espère. Petite améthyste, viens voir par là. Petit diamant aussi, pourquoi pas, hein. On n'est pas contre trouver un petit peu de diamant, bien sûr que non. Par contre, les vieilles araignées pourries, là, qu'on entend. Oh, oui, vous. Oui, bien sûr, vous, ici. Filez. Oh. Oh, elles empoisonnent, elles sont toutes vénéneuses. Sale bête. Saleté d'araignées vénéneuses. Personne n'aime les araignées vénéneuses. On va les punir, sale bête. Voilà, il n'y a plus de spawner. Écoutez, vous me voyez souvent très très chanceux dans mes vidéos, mais là, clairement, c'est la vidéo de la muerte. Rien du tout. Rien. Pas de diamant. A few moments later... J'ai enfin trouvé ce que je recherchais. Regardez, on l'a trouvé. On a des premiers filons d'améthyste de cette survie. Oh, ça c'est beau. Oh, regardez comme il est énorme et comme il est beau. Oh là là, on va pouvoir en faire des builds avec ça. Oh, c'est si beau, c'est si beau. Merci, merci Minecraft. Oh ouais, donne. Écoutez ce bruit tellement satisfaisant. C'est si beau, mais par contre, j'ai absolument pas de quoi, eh bien, tout simplement, récolter les chardons ici. Est-ce que j'ai de quoi récolter le chardon? Oh oui! Oh, ça, c'est bon, ça! Oh oui, on a les premiers chardons d'améthyste! Par contre, bah, ils ont toujours pas corrigé la chose. Il faut des chardons, enfin, des échardes d'améthyste matures pour pouvoir les récupérer. Moi, ouais, écoutez, pourquoi pas? Ça fait plaisir! Bon, moi, je vais me récupérer ça. Et écoutez, eh bien, il faut que j'en trouve un tout nouveau. Et j'ai l'impression que ce mineshaft, eh bien, va nous réserver encore quelques surprises. Enfin, un petit diamant, ça fait plaisir. Je commence à ne plus y croire sur cette survie. Ouais, ça c'est une très bonne chose. Ah, et en plus, c'est un filon, mais vraiment pourri. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, j'ai fortune 3 sur la pickaxe. J'ai eu seulement 2 diamants. Ouais. Johnny, il commence à se plaindre. Il se plaint très très fort là présentement. Mais c'est justifié. Ça fait 30 minutes qu'on cherche du diamant ou un beau filon et on n'a rien trouvé. Et par contre, je sais pas du tout à combien est le taux de spawn du cuivre. Mais du cuivre, il y en a sur cette mise à jour. Hein. C'est vraiment pas compliqué à trouver. Et pourtant, on peut rien faire avec le cuivre. Oh, par contre, regardez ça. On a un filon d'améthyste ici. Oh la vache, et par contre, il est magnifique ce filon d'améthyste. Waouh, la vache, et j'ai même pas envie de le casser. La vérité, je pense que ça va être ma miniature, regardez ça. Elle est magnifique, ce filon est magnifique. Oh, ça me fait presque du mal de le casser. Écoutez, je vais pas le casser, on va ouvrir ici. Un petit peu de pain, on récupère. Oh là là, regardez-moi ce filon d'améthyste. Ça donne l'impression que c'est une mine d'améthyste, ouais. Et clairement, j'ai vraiment l'impression que c'est une mine d'améthyste, on peut dire... Clairement, ceci est une mine d'améthyste. D'ailleurs, ce sera le titre de la vidéo. J'ai découvert une mine d'améthyste. Ça fait plaisir, c'est moi qui paye. Bref, de mon côté, je pense qu'on a passé suffisamment de temps tout simplement dans les mines. Et je pense qu'on en a fait le tour. Il est temps pour moi, eh bien, tout simplement, de monter et de me mettre à construire ma fameuse maison. 3 hours later. Alors, de mon côté, je suis de retour à la maison et je vais tout simplement vous montrer un des nouveaux crafts, eh bien, disponibles sur Minecraft, qui est tout simplement, eh bien, une longue vue. Et franchement, c'est plutôt sympa parce que ça permet de se passer d'Optify. Donc, je vous récupère dans un instant et je vous montre ce nouveau craft qui est plutôt stylé. Bon, eh bien écoutez, nous y voilà, le moment tant attendu. On va crafter la longue vue sur Minecraft. Regardez ça, nous l'avons, elle est juste ici. Et on va tester, eh bien du coup, cette longue vue. Et je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui marchait autour de la maison. C'est un satané creeper. Non, tu n'exploseras pas, idiot, va. Bien sûr. Regardez ce petit zoom là qui est, ma foi, assez stylé. Ça pourrait même faire une petite miniature sympa, ce genre de truc. Ouais, c'est plutôt sympa. Bref, écoutez, trêve de mondanité par contre. Il est totalement temps de partir, eh bien tout simplement ici, et de poser les bases de l'industrie 2.0. D'ailleurs, on va aller voir les jacottes pour voir si elles vont bien. Oh là ! Oh ouais, c'est l'heure de faire de nouveaux bébés. L'industrie commence. Et bref, de mon côté, il est temps tout simplement, eh bien, de commencer à construire un escalier pour construire, eh bien, ma base volante. Voilà, nickel. Alors, par contre, on va pas la faire trop haute parce que j'ai envie de vous dire, eh bien, ça ne servirait tout simplement à rien de faire une base
trop haute sur cet épisode. Parce que sincèrement, ce serait très très chiant. Et je suis en train de me dire là, pour pouvoir construire un projet aussi titanesque que celui-là, il va me falloir du bambou. Mais là, quand je dis du bambou, c'est pas un petit peu de bambou, il va m'en falloir énormément. Suffisamment parlé des projets, on va parler du concret. Là, je suis en train tout simplement de construire, eh bien, un 13x13. Comme d'habitude, un petit chiffre impair, comme ça, eh bien tout simplement, on peut poser une porte et avoir des projets de décoration symétrique. Eh oui, Jamy, parce que si tu ne prends pas un chiffre impair ou un nombre impair sur Minecraft, eh bien tout simplement, tes builds ou tes décorations, eh bien ne seront pas symétriques. Et ça, c'est quand même problématique. Bah, on est reparti pour faire un petit tour. Bref, on est reparti pour récolter encore un tout petit peu plus de dirt, parce qu'il m'en manque un peu. Donc écoutez, il faut la faire. Et je vais partir me réfugier sur mon île pour la nuit, parce que sinon on va se faire grignoter le fessier et il me semble qu'on est toujours pas armuré en fait sur cette survie, ce qui est quand même problématique. Voilà, normalement là c'est bouché et personne viendra m'embêter. D'ailleurs, petite question aux personnes qui connaissent un petit peu World Edit. Comme je vous l'ai dit, vu qu'on est sur une snapshot là, et que je n'aurai absolument pas les mises à jour de la 1.17 si jamais je reste ici quand la 1.17 sortira, j'aimerais savoir si la redstone et si les plantations restent en fait quand on déplace un build. Si je copie-colle ce build et que je le mets à un autre endroit, est-ce que tout simplement je risque d'avoir des problèmes de redstone ou non? Voilà, c'est la question à 1 million de chez Jean-Pierre Foucault. J'aimerais savoir si quelqu'un s'y connaît et s'il pouvait me donner la réponse. Bref, de mon côté les amis, je vais terminer tout simplement ce petit build en off, parce qu'il n'y a pas grand intérêt à continuer en on. Pour ma part, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, déglinguez la barre de like. C'était John, n'oubliez pas que je vous kiffe. Peace.